Un organisateur à pois en dentelle, un cahier en forme de diamant, une jolie boîte pour punaises et une boîte à bonbons cachée dans un cahier. Aujourd'hui, on va partager avec toi des astuces brillantes et originales que tu pourras utiliser au quotidien et toutes réalisées à l'aide de fournitures scolaires. D'abord, on va t'expliquer comment décorer de tes propres mains un simple stylo à billes. De fausses plumes t'aideront à créer un look unique. Colle les plumes sur le stylo. En quelques minutes, ton stylo a l'air bien plus spectaculaire. Un quiz de maths se transforme alors en un carnaval brésilien. On a l'impression d'être à Rio de Janeiro. Pour cette astuce, il te faut un cadre en bois. Colle un fond coloré. Prends des autocollants de couleurs vives et des pinces à linge en bois. Peins les pinces à linge de différentes couleurs. Colle les autocollants sur le fond coloré. Colle les pinces à linge à l'aide d'un pistolet à colle. Accroche des notes importantes ou des citations motivantes sur le cadre. Ce cadre pense-bête t'aidera à planifier ta journée correctement et te servira aussi de décoration sympa pour ta chambre. Pour la prochaine astuce, il te faudra un morceau de polystyrène et du carton. Dessine un demi-cercle sur le carton. Découpe un demi-cercle. Fais 4 demi-cercles de tailles différentes. Découpe des morceaux de papier mousse de la même forme. Couvre les demi-cercles en carton avec les demi-cercles de papier mousse. Fais 4 incisions dans la longueur de ta plaque de polystyrène. Insère les demi-cercles en carton dans les fentes et colle-les. On obtient un organisateur coloré à compartiments. Tu peux y ranger des livres et des cahiers. Pour ranger tes affaires scolaires, cet organisateur lumineux en forme d'arc-en-ciel te garantira un bureau bien organisé. Et maintenant, tu as besoin d'un diamant en papier et de 3 CD. Coupe le diamant en suivant les lignes. Coupe un disque en suivant les formes du modèle en papier. Découpe la forme d'un diamant dans du papier mousse noir. Remplis la feuille de papier mousse avec les morceaux de disque brillants. Prends une pile de feuilles blanches. Trace un diamant sur le papier. Coupe les feuilles en suivant le tracé. Attache-les ensemble avec une agrafeuse. Mets de la colle en haut de chaque feuille. Colle les piles de papier ensemble. Colle le diamant. Et voilà, un super bloc-notes sur lequel tu peux écrire tes pensées les plus brillantes. Et maintenant, on va partager une idée avec toi pour créer des étiquettes de tes propres mains. Imprime les images dont tu as besoin. Découpe-les. Mets les images sur du papier sulfurisé. Colle une large bande de ruban adhésif. Découpe les autocollants en laissant une marge de 3 mm. Retire la couche de papier sulfurisé. Décore la couverture de ton bloc-notes avec une des images. Tu as maintenant de superbes autocollants faits maison pour décorer tes affaires scolaires. Voyons maintenant comment transformer une simple trousse bleue en quelque chose de bien plus intéressant. Tu as besoin de tissu auto-adhésif. Couvre la trousse avec le tissu. Prépare 3 morceaux de papier mousse aux couleurs appropriées. Fais des dessins. Découpe-les. Dessine le visage de Minnie avec un marqueur noir. Colle les autres éléments dessus. Colle la souris sur la trousse à stylo avec de la colle chaude. Et voilà une trousse qui va beaucoup plaire aux filles. Pour cette nouvelle astuce, il te faudra un taille-crayon et un petit récipient en plastique. Colore l'extérieur du récipient en plastique avec de la peinture acrylique. Fais un trou dans le couvercle avec le bec chaud d'un pistolet à colle. Fixe le taille-crayon au couvercle avec de la colle. Peins le couvercle en bleu. Imprime un logo Starbucks et colle-le sur le récipient en plastique. Ce taille-crayon original séduira non seulement les véritables fans de café, mais aussi tous les amateurs de tendances actuelles. Et maintenant, on va te montrer comment réutiliser des boîtes de parfums vides. Dispose les boîtes en carton dans le couvercle d'une boîte à chaussures.
Coupe le haut des boîtes et décore-les avec du tissu. Fixe les boîtes dans le couvercle à l'aide d'un pistolet à colle. Décore-les avec des sequins. Un organisateur spacieux et mignon pour le bureau est prêt. C'est très pratique. Un aimant ordinaire t'aidera à donner une nouvelle vie à une capsule en métal. Colle l'aimant sur la capsule. Couvre la capsule avec de la peinture jaune. Dessine des lunettes et un sourire à l'aide d'un marqueur. Réalise différents emojis. C'est facile d'attacher des mémos, des recettes ou des rappels importants sur le frigo avec ces aimants. Ces smileys ensoleillés ont l'air vifs et très joyeux. Pour cette petite astuce, tu as besoin d'un cahier et d'une petite boîte en plastique plate. Trace les contours de la boîte sur la couverture du cahier. Découpe-la. Colle un morceau de papier mousse noir sur la couverture. Recouvre la boîte avec le morceau provenant de la couverture du cahier. À l'aide d'un pistolet à colle, fixe la boîte sur la feuille de papier mousse. Cache des bonbons dans cette boîte secrète. Cette couverture au motif abstrait renferme une planque à bonbons, cachée des yeux de tous. Une source de sucre cachée pour bien travailler en classe. Pour la prochaine astuce, tu auras besoin de morceaux de film autocollant rouge et noir et d'une image de Coca-Cola. Dessine un verre à l'arrière du film rouge. Découpe-le. Découpe également le logo Coca et le couvercle. Il te faut maintenant une bande magnétique adhésive. Colle l'image du verre de soda. Coupe ce qui dépasse. Décore ce qu'il reste de la bande avec du papier scrapbooking. Colle une paille rouge. Plie la bande en deux et attache-la à la page d'un livre. Ces nouveaux marque-pages originaux te donneront envie d'ouvrir des livres bien plus souvent. Voici une autre idée intéressante. Fais un croquis d'oreille de chat au crayon sur un morceau de papier mousse. Trace le contour avec un marqueur noir. Découpe-le. Découpe des oreilles de chat dans du papier mousse rose selon le modèle. Dessine la tête d'un chaton endormi. Colle des oreilles en feuille de papier mousse pailletée. Aligne une règle à la base du chaton et reproduis les hachures correspondantes. Une règle si mignonne t'aidera à faire des lignes droites et à prendre des mesures. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on l'a faite à partir de rien. Cette fois, tu auras besoin de boîtes et d'une pochette pour documents. Trace une ligne à la bordure de la pochette. Découpe-la. Peins-la en bleu. Découpe la boîte rectangulaire en diagonale. Peins-la. Recouvre également la petite boîte de peinture. Trempe la gomme d'un crayon dans de la peinture. Décore la boîte avec des points blancs de différentes tailles. Colle de la dentelle blanche sur le rebord. Colle les boîtes ensemble. Tu as maintenant un organisateur pratique pour tes travaux manuels et créatifs. Peinture, papier et ciseaux. Tout le nécessaire est toujours à portée de main. Pour cette astuce, il te faut 3 feuilles cartonnées. Décore-les avec des autocollants et des dessins et crée un cadre à partir de l'une d'elles. Imprime une feuille de papier avec des questions et colle ta photo dessus. Colle la feuille sur une des feuilles en carton avec un pistolet à colle. Imprime des questionnaires pour tes amis. Perce des trous avec une perforatrice. Fais les mêmes trous dans la feuille en carton. Prends du fil de fer. Empile les feuilles et recouvre-les avec le cadre. Relie les feuilles ensemble. Un questionnaire personnalisé fait maison est un super moyen de te souvenir de tes meilleurs amis. Et, évidemment, apprendre leurs petits secrets. Tu as maintenant besoin d'une petite boîte en plastique avec un trou au milieu. Prépare de la pâte à modeler autodurcissante. Couvre le couvercle de la boîte avec. Forme un rebord ondulé avec un couteau de modélisation. Pousse le piston d'une seringue au centre du couvercle. Fais des petits boudins avec la pâte à modeler. Coupe-les en petits morceaux.
Décore le glaçage avec des vermicelles en sucre. Et n'oublie pas le glaçage spécial en pâte à modeler. Mets les punaises dans la boîte et ferme bien le couvercle. Si tu la secoues d'un coup sec, une ou deux punaises tombent dans la paume de ta main. Jolie et très ergonomique. Ensuite, dessine une forme comme celle-ci sur un morceau de carton gris. Découpe-la. Trace deux fois la même forme en miroir sur du tissu auto-adhésif. Colle le tissu sur le carton. Décore-le avec un cœur. Colle un bâtonnet de glace. Mets un peu de colle Elmer et colle une pile de feuilles. Un cahier en forme de glace est amusant et super original. De la déco créative et lumineuse transformera tes fournitures scolaires ordinaires en accessoires stylés pour l'école. Alors dis-nous dans tes commentaires quelle idée tu vas définitivement essayer. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. On va te faire plaisir avec plein d'autres nouvelles vidéos très prochainement. Clique sur la cloche pour être le premier à les découvrir.